Donc je crois que pour la dernière intervention, nous allons faire un petit retour à la période de guerre et à la question donc, des rapports entre poésie et combat. Donc on est heureux d'écouter Frédéric Roussil qui a fait sa thèse récemment donc, sur René Char, la thèse intitulée « René Char ou la nature de l'image » et que vous avez soumis à Aix. Oui, c'est bien ça. Merci de m'avoir invité, je suis très heureux d'être parmi vous pour vous parler de Char. Effectivement, je vais vous parler des feuillets d'hypnose, mais des feuillets d'hypnose dans leur rapport au reste de l'œuvre telle qu'on la voit dans les œuvres complètes publiées par Char lui-même en 1983. J'essaierai de justifier, de vous convaincre de la pertinence de cet aller-retour. Je ferai à la fois quelques citations des feuillets d'hypnose, puis des citations de textes écrits à d'autres moments. La question que je vais poser et à laquelle je vais essayer de répondre devant vous, c'est en général qu'est-ce que la poésie selon Char, mais plus particulièrement comment s'articule cette poésie et le combat dans le maquis. Et il est de notoriété publique que les feuillets d'hypnose sont en quelque sorte la signature dans l'œuvre de Char de ce combat. Je ferai d'abord une espèce de tour du propriétaire, si vous voulez, où on observera un certain nombre de faits. Et puis après, j'aimerais qu'on revienne là-dessus, mais de manière à comprendre la cohérence de toutes ces choses que, dans un premier temps, on aura observées sans nécessairement voir comment ça fonctionne. Je partirai d'une idée très générale qui est presque un cliché. C'est une idée qui est vraie chez Char, mais pas seulement. La poésie, ça n'est pas seulement une pratique scripturale, si vous voulez, mais c'est un ethos, une façon de vivre. Première remarque là-dessus, c'est une idée assez neuve, que la poésie n'est pas simplement l'écriture du poème. Là, je vais faire du très simple, en caricaturant à gros traits, et pas de l'histoire littéraire, mais si vous voulez... Homère et Virgile ne sont pas des guerriers. Au XIXe siècle, vous avez au contraire des figures où le poète est à la fois un homme qui agit dans le monde et un homme qui écrit. Byron à Missolonghi, participant à la guerre d'indépendance de la Grèce, ou bien Hugo s'en prenant à Badinguet. Bon, tout ça, c'est très connu, vous voyez. 19e siècle, cette figure, disons, romantique du poète, où l'écriture et l'action ne sont pas deux choses distinctes, mais participent d'une même forme créatrice, d'une même force créatrice de forme, aussi bien morale et politique qu'artistique. Bon. Donc ça, disons que Char s'intègre bien dans cette figure romantique du poète qui fait des choses dans le monde aussi. J'en veux pour preuve une citation de Char où il parle de Rimbaud dans un poème intitulé « Aisé à porter » qui se trouve dans « Recherche de la base et du sommet ». Il dit plein de choses compliquées là-dedans, mais on retiendra la première phrase. « Il faut vivre Arthur Rimbaud l'hiver par l'entremise d'une branche verte dont la sève écume et boue dans la cheminée, la bouilloire de son bec dessinant la soif. » Vous voyez, cette phrase « Il faut vivre Arthur Rimbaud », ça veut dire que lire Arthur Rimbaud, le vivre, écrire, tout ça ne fait qu'un, finalement. Ça, c'est le cliché dont je parlais tout à l'heure. Char, pour qui la poésie est un ethos et pas seulement une activité scripturale. Pourtant, la deuxième chose qu'on peut remarquer immédiatement, c'est que il y a, chez René Char, une rupture avec cet héritage romantique, disons cet héritage qui vient de Michelet, de Hugo, et puis dans le domaine allemand, de Schelling ou de Hegel. Cette rupture, elle tiendrait en deux points. Premier point, Char, chose que vous connaissez aussi, et que Laure Michel a dit tout à l'heure, c'est le scepticisme de Char à l'égard du progrès, de l'histoire, de l'histoire comme réalisation de l'esprit, comme téléologie, comme providence historique. Cette idée romantique, là, d'un progrès de l'histoire, Char n'y croit pas du tout, c'est en ça qu'il rompt avec un certain romantisme.
Je vous fais une citation qui se trouve dans un poème intitulé « Viera da Silva, chère voisine, multiple et une ». Il n'y a pas de progrès, il y a des naissances successives, l'aura nouvelle, l'ardeur du désir, le consentement des mots et des formes, à faire échange de leur passé avec notre présent commençant, une chance cruelle. Il n'y a pas de progrès. Bon. Et puis, une deuxième citation, où c'est plus le progrès, mais c'est l'histoire qui est visée, tirée de Recherche de la base et du sommet. Pourquoi me soucierais-je de l'histoire, vieille dame jadis blanche, maintenant flambante, énorme, sous la lentille de notre siècle biseauté ? Il y aurait plein de choses à expliquer là-dessus. On va vite. Pourquoi me soucierais-je de l'histoire ? Exit l'histoire, exit le progrès. Donc, on observe chez René Char ce qu'on va appeler, et tous ces mots sont justes, une brièveté, une discontinuité qui est dans la. Dans le sillage de Rimbaud, il faut être absolument moderne. Disons une écriture et une gestuelle brève. Ce mot « bref », on le retrouve à plusieurs reprises chez Char, par exemple dans un titre de recueil de 1950 intitulé « Art bref ». Et puis, le deuxième point qui me paraît être en rupture avec un certain romantisme, c'est la proximité de la poésie et du silence. Pour Char, Rimbaud est un modèle. Enfin, Char relit Rimbaud et ce que dit Char sur Rimbaud, ça vaut programme pour lui. Rimbaud, c'est celui qui se tait hein, et finalement dont le silence est l'aboutissement de la poésie d'une certaine manière. Donc, il y a un poème qui s'intitule « Tu as bien fait de partir Arthur Rimbaud » dans « Fureur et mystère ». Bon, vous voyez, ce silence de Rimbaud... c'est magnifique pour Char. Donc voilà, la poésie, elle est taiseuse hein, pour Char. Citation d'Effet d'Hypnos, énoncé 19, « Le poète ne peut se maintenir longtemps dans la stratosphère du verbe », cette expression « stratosphère du verbe » qui est satirique, évidemment. Alors qu'est-ce que c'est que ce silence de la poésie ? Je pense qu'on pourrait l'expliquer, parce qu'en fait, Char, il écrit quand même, hein, il dit des choses. Ce silence de la poésie, je crois qu'on pourrait le définir comme le refus d'une prédication. Une prédication, qu'est-ce que ça veut dire au sens logique du terme ? Ça veut dire je parle de quelque chose et j'en dis quelque chose, hein, sujet, prédicat. La poésie, c'est pas ça. Ça parle pas de choses pour en dire quelque chose. Et c'est en tant que tel que le poète est quelqu'un de silencieux. Vous voyez, il ne vient pas pour nous parler de choses. On verra tout à l'heure que, d'une certaine manière, les feuilles d'hypnose, ça ne parle pas du maquis. C'est autre chose que ça, le rapport de la parole à la lutte. Et c'est en cela que la poésie est un mystère. C'est-à-dire que, fureur et mystère, hein, la poésie, elle se manifeste, elle fait image, elle est un spectacle... Mais elle n'est pas l'agencement d'un certain nombre de signes faisant signe vers autre chose qu'eux-mêmes. À ce propos-là, deux termes qu'on pourrait employer, c'est le terme d'autotélisme. Autotélisme, ça veut dire en grec que c'est à soi-même sa propre fin. Ou bien un terme que Todorov emploie dans Théorie du symbole, de totégorie. La totégorie, c'est le contraire de l'allégorie. L'allégorie, on emploie quelque chose pour parler d'autre chose. Dans la poésie, c'est pas ça. Le geste poétique ne fait pas signe vers autre chose que soi-même. Et d'une certaine manière, c'est cela son silence aussi, vous voyez. Alors, ce que nous pouvons tirer de ces premières observations qui peuvent nous dérouter dans un premier temps, c'est une première interprétation que je vous propose, qui est une conséquence et un effet de ce mystère, c'est l'idée... du geste poétique comme geste souverain. Qu'est-ce que c'est que la souveraineté ? D'abord, la souveraineté, c'est un mot qu'on retrouve souvent chez Char, souverain, souveraineté. Citation du Rempart de Brindille. « Le dessein de la poésie est de nous rendre souverains en nous impersonnalisant. Qu'est-ce que c'est que la souveraineté ? Donc, la souveraineté, c'est une situation, finalement, où... la fin n'est pas en dehors de ce qu'on est en train de faire, où on ne se met pas au service d'autre chose, où le signe n'est pas au service de ce vers quoi il fait signe, et où le moyen n'est pas le moyen d'une fin qui est hors de lui. Vous voyez, c'est ça la souveraineté,
qui rejoint la thématique de la tautégorie ou de l'autothélisme dont on parlait tout à l'heure. Une citation de Charles tirée de L'âge cassant. « Comment la fin justifierait-elle les moyens ? Il n'y a pas de fin, seulement des moyens à perpétuité, toujours plus machinés. » Premier bilan de ce que nous venons de dire. Notre objectif, c'est de comprendre comment s'articule la poésie et le combat. Premier bilan, l'hypothèse que je vous propose, qui est sous forme d'un « ni », et vous allez voir que ce rapport entre écriture poétique et maquis ne relève pas de deux situations de distance entre signe poétique et praxis. Voilà deux choses que ce rapport n'est pas, à mon sens. Vous pourrez ne pas être d'accord. Les feuillets d'hypnos ne sont pas un document sur le maquis. Ils ne sont pas un compte-rendu d'événements vécus. Parce qu'à ce moment-là, ils seraient des signes désignant autre chose ou bien des moyens pour faire connaître les choses. Autre chose dont il me semble que... On pourrait dire que... Enfin, autre chose, une autre situation qui n'est pas celle de ce rapport entre écriture et action. Le poète n'est pas un... Enfin, René Char n'est pas un homme qui, lassé des mots, en serait venu aux travaux pratiques, en quelque sorte, en rentrant dans le maquis. À ce propos-là, Char fait la satire du thème de l'engagement sartrien. Une citation qu'on trouve chez Eugénie Morin, René Char, Éthique et Utopie. C'est un entretien, Char dit, parce qu'on lui pose la question de l'engagement, êtes-vous un poète engagé ? On a un peu assez de cette thématique du poète engagé, c'est un peu après la guerre. Il dit avec ironie, l'engagement était surtout militaire. La poésie, elle, n'était pas pour autant engagée. Donc voilà, le poète n'est pas quelqu'un qui, bon, ça y est, j'ai assez écrit de poèmes, je vais me coller aux travaux pratiques. C'est pas ça. Mais ce qui se passe plutôt, c'est que nous avons affaire à un maquis, une praxis militaire, si vous voulez, et puis un style bref, qui sont indissociablement liés, et qui sont tous les deux, et ça je vais essayer de vous le montrer, parce que ça peut paraître un peu fort de café de le dire comme ça, qui sont tous les deux, le maquis comme l'écriture, qui sont tous les deux une construction poétique. C'est-à-dire que tout à l'heure, j'aimerais vous convaincre du fait que le maquis de Char, c'est une construction poétique, peut-être à distinguer des maquis historiques de 43-44, où Char, factuellement, a été engagé. Alors, comment cela s'est-il passé? Le mot-clé que j'aimerais vous expliquer là-dedans, c'est l'idée de rétrospection. Char procède par rétrospection. J'en donne deux exemples, et puis après, vous allez comprendre pourquoi c'est intéressant de dire ça. Que s'est-il passé? Char, dans les années 30, était un jeune poète proche du surréalisme. Et puis, 1983, bien plus tard, il publie les œuvres complètes. Il publie ses œuvres complètes en Pléiade chez Gallimard. Et dans ses œuvres complètes, il réorganise un peu tout ça et il gomme la part de surréalisme qu'il y avait dans son œuvre. Il laisse un seul poème qui s'intitule « Homère » et puis il dit à différentes personnes, on trouve ça chez Olivier Belin et chez Paul Venn, il dit « Bon, j'ai presque pas fait de surréalisme, à part deux ou trois pages d'ailleurs verbeuses. » Bon, donc, exit le surréalisme. Vous voyez que, voilà, Char, on a l'impression qu'il réécrit un peu l'histoire. Je vais vous expliquer que, en fait, c'est pas de la malhonnêteté du tout de sa part. Et puis, que fait-il au début de ses œuvres complètes? Il place en ouverture de ses œuvres un poème publié à l'origine en 1929 qui s'appelait « L'emploi » qu'on trouve dans l'atelier du poète dont on vous a parlé, à la page 85. Et puis, il le réécrit un peu, il lui donne un nouveau titre. Désormais, il s'intitulera « La torche du prodigue ». Et il ajoute trois vers qu'il n'avait pas écrits en 1929. Ces trois vers, ce sont les suivants. « Nuages de résistance, nuages des cavernes, entraîneurs d'hypnose ». Et donc, nous ouvrons les œuvres complètes. Et que trouvons-nous? Hypnose, la résistance, et puis les cavernes. Enfin, ça, c'est pas notre sujet.
Et tout d'un coup, vous voyez, dans les œuvres complètes de 1983, Hypnos devient la figure centrale de l'écriture de Char. Ou pour dire les choses autrement, Hypnos devient le sujet. Le sujet, c'est-à-dire celui qui a fait cette poésie-là. En fait, rétrospectivement, René Char, le René Char historique, attribue à cette figure d'Hypnos, finalement, pour ainsi dire, la totalité de son écriture, avec plus ou moins de proximité avec le combat, mais enfin, en gros, ça tourne autour d'Hypnos, tout ça, vous voyez. Et puis un deuxième exemple sur lequel je vais vite, vous connaissez l'histoire sans doute, René Char part pour Alger, il prend un petit avion, part pour la Corse puis pour l'Algérie, difficile pour lui, il laisse ses camarades là, mais enfin il est appelé à Alger. Bon. Et il raconte, c'est dans Le Bâton de Rosier 8, qu'il a caché dans un mur de ses restes le carnet d'Hypnos. Alors les feuillets d'Hypnos que nous lisons, publié en 1946, est aussi une œuvre rétrospective, c'est-à-dire que c'est une réécriture. Vous voyez, quand on lit les feuillets d'Hypnos, on se dit « génial, nous sommes en direct du maquis ». Non, c'est pas vrai. Alors, dans quelle mesure ça n'est pas vrai? Là, on peut discuter à l'infini. Est-ce qu'il y a une seule page des carnets d'Hypnos qui sont reproduits, qui sont gardés dans les feuillets d'Hypnos? Est-ce qu'il y en a plus? Mais à la limite, que ce soit 1% ou 90%, c'est pas très grave. Ce qui est important, c'est que les feuillets d'Hypnos, c'est une construction littéraire a posteriori. Ce qui ne veut pas dire que c'est un faux, hein, mais ce qui veut dire que Hypnos, ça n'est pas René Char. Hypnos, ça n'est pas le capitaine Alexandre. Hypnos, c'est une construction poétique. C'est celui qui vit le maquis, qui parle dans le maquis, vous voyez. Et à ce propos, il y a une expression qui me paraît significative et qu'on trouve chez Paul Venn, à la page 208, René Char en ses poèmes. Paul Venn, qui résume la pensée de Char, parce qu'il a discuté avec lui, il dit « Pour Char, Hypnos était un être fictif, héros de romans vrais ». Être fictif, ça ne veut pas dire que c'est un faux, mais ça veut dire que c'est une construction. Vous voyez que c'est une construction littéraire. Par conséquent, je crois que pour comprendre la relation entre le maquis et l'écriture poétique, il faut d'abord distinguer le René Char historique, le René Char de fait, de Hypnos, qui est cette subjectivité qui s'élabore dans son œuvre et finalement tout au long de sa longue carrière d'écriture. Une citation de Char pour nous en convaincre, ça se trouve dans « À une sérénité crispée » dans « Recherche de la base et du sommet ». Char, vous allez voir, distingue bien l'homme, si vous voulez, l'homme factuel, et puis le poète comme subjectivité fabriquée par la poésie. Le poète se remarque à la quantité de pages insignifiantes qu'il n'écrit pas. Il a toutes les rues de la vie oublieuse pour distribuer ses moyennes aumônes et cracher le petit sang dont on ne meurt pas. Donc il y a le poète d'un côté, et puis il y a vous et moi, factuel, historique, d'un autre. Le poète, c'est une construction poétique, qui procède un peu par élimination, d'ailleurs, comme vous pouvez le remarquer, toutes les pages qu'il n'écrit pas. Résumons la chose, et après nous pourrons aller plus loin. Le maquis est donc à distinguer des maquis historiques de ce qu'a vécu factuellement Char. J'appellerais ça le maquis au singulier, c'est le monde où on peut en user souverainement. Ça serait ça, le maquis. Et le style de Char, donc, ça serait le propre de cette parole, dissible dans un tel monde, et qui suppose un tel monde comme son a priori, si vous voulez. Vous voyez, on construit en même temps, Char construit en même temps, et c'est ça la poésie, un monde, le maquis, et une parole, et aussi une gestuelle tenable, étant donné ce monde-là. Donc ce que j'appelle un monde, disons, c'est une mise en ordre des choses qui sont autour de nous pour leur donner sens et pour faire que nos actes et nos paroles aient un sens. Dans ces conditions-là, je vais parler du maquis comme monde. Il me semble que le maquis, en tant que monde, n'est pas une parenthèse dans la vie individuelle. Le maquis ne se referme pas
en 1944. D'une certaine manière, et tout à l'heure on va nuancer, le poète, en tant que poète, il est toujours dans le maquis. Je vais vous citer un texte. Ça serait presque une devinette si on avait le temps de jouer aux devinettes, mais il faut aller vite. Un texte de Charles. « La sagesse est de ne pas s'agglomérer, mais dans la création et la nature commune, de trouver notre nombre, notre réciprocité, nos différences, notre passage, notre vérité, et ce peu de désespoir qui en est l'aiguillon et le mouvant brouillard. » Ça, c'est vraiment une description de l'éthos du maquis. Devinette, de quoi ça parle ? Ça parle, je ne sais pas si ça en parle. Enfin, c'est un texte qui est écrit à l'occasion de la peinture de Georges Braque et c'est publié en 1949. Vous voyez que Braque, vu par Charles, vu poétiquement, devient un peintre du maquis. Hein ? C'est bien pour vous dire que le maquis, c'est pas seulement les maquis, c'est pas seulement la résistance historique. C'est aussi un être au monde, un mode d'être, si vous voulez, ou bien une façon d'en user, qui est lié à la création, à l'art et à la poésie, en dehors de son origine historique ou de son ancrage historique. Disons les choses autrement, une petite comparaison. Vous savez, quand on joue aux échecs, finalement, les règles d'échecs, ça n'existe nulle part dans aucun ciel des idées, mais il suffit d'avoir un échiquier devant soi, de faire un geste, de faire bouger les pièces d'une certaine manière, et on actualise le monde des échecs avec ses règles. Le maquis, c'est un peu ça. Parler ainsi, agir ainsi, et ça actualise le maquis comme monde. Vous voyez ? On peut dire aussi que, dans cette perspective, le maquis serait une forme de vie. Et Hypnos a un certain régime de subjectivation, vous voyez, et non pas un individu historique, M. Char, dont on pourrait montrer la carte d'identité. Alors, la question à laquelle nous allons répondre dans un deuxième temps, et là, ça sera ce retour dont je vous parlais au début, question, qu'est-ce qui caractérise ce style du maquis en user comme Hypnos, supposer l'existence de ce monde-là, et donc le produire en agissant dans l'a priori de ce monde-là, c'est faire quoi exactement, et comment peut-on le décrire? Là, nous avons parlé finalement du statut du maquis. Le maquis, ça sera un monde, mais quel monde? Alors, je voudrais développer trois points, trois idées pour décrire ce monde du maquis. Le monde du maquis, ça suppose un certain rapport à la nature, premièrement, un certain rapport, une certaine temporalité, deuxièmement, et un certain rapport à l'outil, la nature, la temporalité, l'outil. Premier point, donc, le rapport à la nature. Alors, tout le monde sait, nous savons tous ici, que la poésie, en grec, poiesis, c'est trois choses, trois instances distinctes, le poète, la poésie et le poème. Vous avez le mot grec, hein, ça veut dire poète, ça veut dire artisan, et la poésie, c'est pas seulement la composition d'œuvres littéraires. Dans la poésie façon grecque, ces trois instances-là sont distinctes. Quelqu'un qui est charpentier, bon, bah, il peut être en vacances, un jour il se met à fabriquer une charpente, et puis après, il rentre chez lui, mais la charpente est toujours là. Vous voyez, dans la poésie, vous avez une séparation de ces trois instances, le poète, l'agent, la poésie, l'action de fabriquer, et puis le poème, le résultat de la poésie. Et c'est ce qui distingue la poésie au sens grec, disons les choses, au sens aristotélicien, là je vous renvoie à l'éthique à Nicomaque 6, 4, 2. La phusis, la poésie grecque, pardon, la nature grec, fusis, ça se traduit par nature, c'est le contraire. Vous prenez un arbre, l'arbre est à la fois l'agent, le résultat, et puis la poussée de l'arbre, un arbre qui ne pousserait pas, c'est pas possible. Donc dans la poésie, dans l'artifice, trois instances sont séparées, dans la fusis, dans la nature, elles sont identiques, elles se trouvent au même endroit. Or, que se passe-t-il avec René Char? Eh bien, la poésie, selon Char, relève plutôt de la phusis au sens grec
que de la poésie au sens grec ou de l'artifice. Le poète est quelqu'un qui s'identifie à son poème ou à ce qu'il fait et qui s'identifie à l'acte même de créer. Citation des feuillets d'Hypnos, c'est l'énoncé 63. On ne se bat bien que pour des causes qu'on modèle soi-même et avec lesquelles on se brûle en s'identifiant. Oui, on se brûle en s'identifiant. Il n'y a pas d'extériorité du poète par rapport au poème ou par rapport au geste poétique, ni par rapport à la poésie. Et puis, sur Rimbaud, un autre texte où le mot « nature » est prononcé, nous avons déjà dit que ce qui vaut pour Rimbaud vaut pour Char lui-même. Char écrit la chose suivante à propos de Rimbaud, c'est dans Arthur Rimbaud, dans « Recherche de la base et du sommet ». Fait rare dans la poésie du XIXe siècle, la nature chez Rimbaud a une part prépondérante, associée au courant du poème, où elle intervient avec fréquence comme matière, fond lumineux, force créatrice, grâce. Rimbaud, poète de la nature. Poète de la nature, non pas parce qu'il aurait comme thématique spécialement les arbres et les oiseaux, qui, je ne suis pas ironique, ce sont des choses très intéressantes, mais la poésie vaut ici comme force créatrice. Vous voyez, force créatrice, c'est-à-dire, il faut comprendre fucis, hein, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Alors, ce thème d'un art comme prolongement de la nature, Char ne l'invente pas. Hein. C'est un thème que nous trouvons abondamment dans le romantisme allemand. Je vous renvoie par exemple à Schelling, philosophie de l'art, ou bien aux fragments de Novalis et de Schlegel. Novalis, Char connaît. Hein. Donc, il s'inscrit dans cette philosophie de la nature, Char, philosophie de la nature pour laquelle le geste poétique n'est pas en rupture avec la nature, mais en est le prolongement. Disons qu'il y a une naturalité de l'art en général et de la poésie en particulier, l'art et la poésie se confondant pour Char. Hein. Et alors, pourquoi cette naturalité de l'art, pourquoi cette promotion de la naturalité de l'art chez Char, eh bien, c'est parce que cette naturalité de l'art est la condition de la souveraineté, comme on l'a vu tout à l'heure. Hein. Rien n'est mis au service de rien. Il n'y a pas d'aliénation. L'artisan qui fabrique une charpente, il se met au service de celui qui lui commande la charpente, ou bien il se met au service de la charpente, et puis il utilise le bois. Et il l'a servi aussi d'une certaine manière. Ouais, dans l'artifice ou dans la poésie au sens grec du terme, il y a un asservissement. Cet asservissement, la fucis l'ignore. L'arbre n'est au service de rien d'autre que de lui-même. Hein, vous voyez, donc faire de la poésie quelque chose qui relève de la fucis, c'est aussi se libérer d'une certaine aliénation et donc promouvoir cette souveraineté dont je vous parlais tout à l'heure. Et qui est tout le sens du geste poétique de Char, me semble-t-il. Ça, c'était le premier point, c'était le rapport de la poésie à la nature, qui nous permet donc de mieux comprendre ce que c'est que ce monde du maquis et cette relation entre l'écriture poétique et la lutte armée. Deuxième trait caractérisant le style du maquis, c'est un rapport au temps. Alors là, je ne vais pas m'étendre parce que Laurent Michel nous en a beaucoup parlé tout à l'heure. Ce contre quoi Char s'inscrit, c'est l'idée d'une temporalité linéaire, si vous voulez, où le passé serait la cause déterminante des faits présents et où le présent pourrait être le moyen d'un certain avenir et donc serait aliéné. Avec évidemment un progrès, un horizon d'émancipation et peut-être aussi une nécessité de suspendre la liberté aujourd'hui pour l'acquérir plus tard. Tout ça, c'est ce que Char déplore, disons, dans un certain communisme stalinien. Hein, il parle par exemple de l'hémophilie politique de ces gens qui se pensent émancipés. L'émancipation pour plus tard, ça relève bien de cette idée d'une histoire linéaire et d'un progrès. Char n'en veut pas. Ce que Char réclame, c'est l'idée selon laquelle, finalement, seul compte le présent, ou plutôt la présence.
Seul compte, seul vaut ce qu'on a sous la main et sous les yeux. Tout le reste est fumé. Tout à l'heure, je vous expliquerai comment ne pas comprendre cette assertion que je suis en train de vous imposer vigoureusement parce que le temps presse. Vous connaissez les deux premiers énoncés des faits d'hypnos. Autant que se peut, enseigne à devenir efficace pour le but à atteindre, mais pas au-delà. Au-delà est fumé. Où il y a fumé, il y a changement. Cet énoncé parle de l'avenir. L'avenir ne doit nous intéresser que dans la mesure où il est sous notre regard et sous nos mains. Au-delà, c'est de la fumée, on réfléchira plus tard en fonction de la façon dont ça se présentera plus tard. Et puis, le deuxième énoncé qui parle de notre rapport au passé, ne t'attarde pas à l'ornir des résultats. Le passé n'est intéressant que dans la mesure où il entre en ligne de compte dans le présent. Autrement, c'est une célébration d'antiquaire dont il faut se défaire, sans doute. Donc, seul compte la présence, et quand je dis seul compte la présence, ça ne veut pas dire que nous avons affaire chez Charles à un présentisme oublieux et imprévoyant, mais c'est plutôt que le passé et l'avenir sont deux dimensions de la présence. Disons les choses de la manière suivante. Le passé, c'est la nostalgie qui hante et qui anime toute présence réelle. Et puis l'avenir, c'est le désir qui dynamise toute présence. Une citation de Charles où on voit que le passé et l'avenir sont deux dimensions du présent, d'un vrai présent, d'un présent actif où on fait des choses. Le présent passé, le présent futur, rien qui précède et rien qui succède, seulement les offrandes de l'imagination. C'est dans Aroma de chasseur, dernier énoncé. Le présent passé, le présent futur, vous voyez, il y a du présent et il y a du passé, mais ils ne se sont pas situés sur une espèce de frise chronologique, ils sont plutôt l'épaisseur même de la présence. Alors, cette épaisseur du présent, de la présence, on pourrait l'appeler, et Charles l'appelle lui-même, une durée au sens bergsonien du terme, ou bien une intensité de la présence. Un texte de Charles qui se trouve dans Arthur Rimbaud, dans Recherche de la base et du sommet, où il utilise ce terme de durée. En poésie, on n'habite que le lieu que l'on quitte, on ne crée que l'œuvre dont on se détache, on obtient la durée qu'en détruisant le temps. Vous voyez donc que la présence est toujours hantée par un vide, c'est pour ça que la présence elle est active, c'est pour ça qu'on fait des choses, elle est habitée par une perte, d'où cette poussée gagnante, comme dit Charles, ou encore cette nature, cette fucis qui crée des formes, parce qu'il y a du désir et il y a du regret dans le présent. Et ça implique aussi un deuxième trait important dans la poésie, c'est que cette poésie de la présence, elle implique un certain désintéressement et un certain courage. Être présent, c'est être toujours dans la perte, c'est ne pas essayer de thésauriser, si vous voulez. On ne crée que ce dont on se détache, dit Charles. Et puis une autre phrase célèbre de Charles, l'éclair me dure, c'est dans La bibliothèque est en feu. L'éclair, vous voyez, c'est la brièveté, la discontinuité, et puis il me dure, c'est la durée. Donc on a cette durée, cette intensité de la présence qui explique, qui rend compte de ce style discontinu du maquis, aussi bien de l'écriture poétique de Charles que de sa manière de combattre, hein, évidemment. Et puis un troisième trait du maquis comme style, c'est le rapport à l'outil. L'outil pour Charles ne doit pas être serf, il ne doit pas être un moyen, mais il doit être respecté. Cette dignité des choses, qui est le propre de ce monde de la poésie, de ce monde du maquis, va avec la souveraineté. Vous voyez, la souveraineté et la dignité, c'est indissociable. Citation tirée de Peu à peu, puis un vin siliceux dans La nuit talismanique qui brillait dans son cercle. J'aime qui respecte son chien, affectionne ses outils, n'écorce pas l'arbre pour en punir la sève, ne mouille pas le vin hérité, se moque de l'existence d'un monde exemplaire. Deuxième bilan, et puis après je ferai une conclusion pour ouvrir.
voyez que le monde du maquis, ce monde dans lequel une certaine écriture et un certain style de vie sont indissociables, repose, on l'a dit, sur un refus de l'idée de progrès et de l'idée d'histoire comme progrès, et sur une façon de se détacher ou de faire la satire de la technique ou bien du technicisme des technosciences, hein, où certains objets sont pris comme les moyens de certains autres. On a affaire ici, au fond, à l'idée d'un char antimoderne. Char antimoderne, en quoi il se rapproche de beaucoup de gens qu'il a fréquentés par livre interposé ou directement. Nietzsche, Baudelaire, Georges Bataille, Heidegger, tout ça, ce sont des antimodernes qui récusent cette idée de l'histoire comme progrès. Et vous voyez que la brièveté, le régime du maquis comme monde, eh bien, c'est finalement une forme d'antimodernisme. L'ennemi, c'est le technicisme. Hein. L'ennemi, aussi bien hitlérien que stalinien, c'est cette manière de faire de la politique de manière technicienne, de casser des œufs pour faire des omelettes. Je vous renvoie là-dessus à des analyses de Hannah Arendt, où elle parle effectivement de la politique totalitaire comme une manière de mettre certains moyens au service de certaines fins. Et elle dit que c'est de la technique, ça, et elle dit que ça va pas, on fait pas comme ça de la politique. Le char ne peut que souscrire à ce genre d'analyse. Alors, on termine par un ensemble de comparaisons, si vous voulez, pour voir quelle différence il y a entre l'implication du poète dans la lutte armée et puis, disons, l'engagement de l'intellectuel. Pourquoi ça n'est pas la même chose? Pourquoi Char n'est pas un poète engagé, mais est autre chose? Alors, je dirais que d'abord, l'intellectuel, c'est celui qui a un rôle politique, c'est-à-dire qui s'inscrit dans un débat, hein, dans un débat d'hommes libres décidant ensemble de leur destin. C'est ça la politique au sens moderne du terme. Je vous renvoie à Cornelius Castoriadis ou à Hannah Arendt. L'intellectuel, c'est celui voilà, qui fait de la politique, comme ça, qui s'inscrit dans le débat, qui participe au débat. La poésie, selon Char, c'est tout sauf du débat. La révolte des insurgés, l'insurrection poétique, cette fucisse, ce surgissement de forme qui refuse toute aliénation, ce surgissement souverain de forme, il n'est pas question d'en débattre. C'est une évidence et c'est un mystère. Ça ne se discute pas, vous voyez, fureur et mystère, c'est assez clair. Un texte magnifique qui montre ça, c'est dans Billet à Francis Curel, dans Recherche de la base et du sommet, où on voit cette réaction, oui, il n'y a pas à discuter, hein, donc on n'est pas dans le politique. Cette réaction face à la barbarie nazie, les rafles d'israélites, les séances de scalp dans les commissariats, les raids terroristes des polices hitlériennes sur les villages ahuris me soulèvent de terre, plaquent sur les gerçures de mon visage une gifle de fonte rouge. Vous voyez, on ne discute pas, hein, on n'est pas dans le débat, là. Donc on n'est pas dans la politique, on est dans autre chose. Autre phrase, le oui, le non immédiat, c'est salubre en dépit des corrections qui vont suivre. Ça, c'est donc dans Contre une maison sèche, dans Le Nuit perdu. Or, et ça sera mon dernier point, ce régime de l'évidence, de la fureur, ce régime poétique qui exclut la discussion argumentée, le pour et le contre, le développement rhétorique, eh bien, ça, pour Charles, ça ne peut pas fonder la politique. Et vous voyez donc que la poésie, en quelque sorte, se situe avec Char à l'extérieur des murs de la cité. Et Char le dit très bien à la fin de la guerre, hein, ce texte qui se trouve aussi dans Billet à Francis Curel, il dit « On ne prolonge pas un climat exceptionnel. Nous sommes partisans, après l'incendie, d'effacer les traces, de murer le labyrinthe et de relever le civisme. » Bon, donc Char se met en retrait par rapport à la vie politique, parce qu'au fond, la poésie, cette insurrection, cette fureur mystérieuse,
ne peut pas fonder la politique. Et là, Charles fait quelque chose qui me semble assez intéressant, parce que au XXe siècle, certains ont mis la poésie au fondement de la politique. Par exemple, je vous renvoie au texte de Heidegger sur Hölderlin, où il veut faire de la poésie de Hölderlin le fondement de la politique des Allemands. Vous voyez. Et puis, d'autre part, cette parole brève de Char, cette parole si dense, quand on fait de la politique avec ça, ça donne du slogan. Hein. Et là, il y a des textes de Victor Klemperer qui sont intéressants à ce sujet-là, où il analyse, d'un point de vue linguistique, si vous voulez, la structure du slogan politique dans l'Allemagne nazie. Et il est troublant de voir que la brièveté du slogan et la brièveté de la poésie de Char ne sont pas sans ressemblance. Hein. Seulement, ce que fait Char, c'est qu'il situe la poésie à l'extérieur de la politique. Et il me semble que c'est ça qui fait toute la différence. Et il y a chez lui une extrême prudence et une extrême générosité à se retirer de cette manière-là, vous voyez. Et il le fait certainement avec le cœur serré, mais il le fait quand même. Alors, dans le texte que je vous lis un dernier passage. Je veux n'oublier jamais que l'on m'a contraint à devenir, pour combien de temps, un monstre de justice et d'intolérance, un simplificateur claquemuré. Là aussi, c'est dans Billet à Francis Curel. Vous voyez, le maquis comme monde, dont on a parlé tout à l'heure, eh bien, c'est un labyrinthe pour Char, et celui qui habite ce labyrinthe, c'est le Minotaure, c'est le monstre. Bon, donc c'est ça, là, la subjectivation poétique. Hypnos, c'est celui-là. C'est celui qui vit une merveille, mais qui vit une monstruosité, ici. On est dans le régime de l'exception. Ce mode de subjectivation, là, ce monde-là, eh bien, c'est le monde du maquis. Mais on comprend bien que il y a le monde de la cité, et c'est autre chose que ça, c'est un autre mode de subjectivation possible. Voilà, donc, simplement une conclusion, un dernier mot, c'est pour dire que il y a, chez René Char, ce rapport ambivalent à ce qu'il appelle la beauté, à l'émerveillement. C'est à la fois effrayant et admirable. Vous voyez, Char, dans le maquis, dans les feuillets d'hypnose, on le voit constamment, et puis le dernier énoncé des feuillets d'hypnose le dit aussi, il parle de la beauté. La beauté, c'est essentiel, c'est ce rapport d'émerveillement face au monde que, de façon très paradoxale, Char a vécu dans le maquis. Hein, c'est parce que l'effroi et l'admiration, la monstruosité et la poésie, c'est cette esthétique de la discontinuité, cette esthétique de l'exceptionnel, qui est à la base de cette perception du monde, qui est la perception poétique du monde. Je m'arrête là.